Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo très courte, c'est pour tester les décibels avec une application, mais ça marche pas trop mal, entre les Norma TAC 22 en subsonique, celle que j'utilise régulièrement, les Aguila subsonique et les CCI Kiet 22 qui sont très peu chargés. On va parler de la puissance, du coup là-dessus on est sur du 1000 fps. Ça équivaut à peu près en puissance, je crois, 130 joules, il me semble que j'avais vu ça. Donc celle-ci, ça va être l'équivalent, parce qu'il me semble que tu n'as pas énormément de moins de vitesse. Par contre, les CCI, elles sont à 700 fps. Bon, c'est du 40 grains quand même, mais elles sortent, je crois, que 60 joules. Donc on va de suite effectuer ce petit test, et dans une prochaine vidéo, on se fera le test de groupement à 30 mètres pour l'instant. Après, on verra à 50 mètres, on se le fera tranquillou. Voilà les mecs. Allez, c'est parti, on attaque le test. Le modérateur, donc le voilà, c'est un SAK, sac, c'est pas un sac à merde du coup, mais c'est un sac. Le voilà, seul petit gros point négatif, pour le dévisser, pour le nettoyer. Clamolette ici, et il faut tenir là. Et là j'ai pris avec une pince et tout, du coup ça fait des marques. C'est serré comme des dingues, ça sert à rien. Bon maintenant c'est bon, j'arrive à le défaire pour le nettoyer. Seul petit reproche que je lui fais. Et donc voilà les munitions de plus près. Norma TAC 22, les Aguila, enfin dans ce sens ce test, et les CCI Kiet. Avec toujours ma petite Rossi qui va toujours super bien d'ailleurs. On va simplement tester les trois balles différentes avec un sonomètre que je vais télécharger. C'est parfait. Donc, j'ai commencé avec lesquelles. Donc, on va débuter les tirs avec les Norma TAC 22 subsonique, c'est celle que j'utilise tout le temps. Ensuite on va faire les Aguila en subsonique et pour finir les CCI Kiet. Kiet, elles sont très peu chargées donc logiquement très peu de bruit. Donc lui je vais le poser là, je vais faire une capture d'écran. Les premières ce seront les dernières, donc les CCI Kiet comme en premier se seront tirés en dernier. Ensuite les Aguila qui seront en deuxième. Il y a de quoi se mélanger. Et les Norma TAC 22. Hop là. Allez, on met ça là. Ferme les petites boîtes. Ce que je vais faire, je vais le poser ici, mon téléphone. Et je ne vais pas parler. Attends, je range ça. Voilà. On va faire copier d'écran. Start et je parle plus. Enfin, très peu. Évidemment. Allez, c'est parti, les Norma TAC 22. Je vais stopper le truc. Pause. Voilà, ça nous permet un petit peu de voir déjà. Donc on voit qu'on est monté à 64,8 décibels. Ok. Donc 64,8. C'est quoi, je fais une capture en plus. Et ce qu'on va faire, on va relancer le test. Donc là avec les Aguila. Thank you.
Voilà, pause. Eh bien, bizarrement, 62. Moi, à l'oreille, j'ai l'impression que ça claque un peu plus sec. Donc, 62. Et maintenant, on va terminer avec les CCI quiètes. Ah, normalement, celles-là vont battre tous les records. Donc, on reset. Et on fait start. Allez, on est parti. Allez, combien ça nous a donné? Au maxi 51. Ah oui! Il y a une grosse différence de plus de 10 décibels. Donc c'est pas mal. Pour info, j'utilise le modérateur de son. C'est un sac. Sac. C'est pas un sac à merde. C'est SAK. Il fait bien le boulot. Bon, j'avais celui d'origine, moi, qui était vendu avec. Il était pas si mal, en fait. Donc là, bon, voilà. Je ferai pas le test sans. Je suis pas dans mon terrain là-bas. Et puis bon, là, je vois pas l'intérêt. Parce que l'intérêt, c'est de démontrer en fait les différences entre ben, les différentes, on va dire, balles subsoniques. Bon, voilà un petit peu déjà pour point de vue, on va dire son, de ce que l'on entend. Après, bon, on va s'amuser à faire des petits tests de groupement. La seule chose que je peux vous dire, les CCI quiètes, elles sont moins dosées, du coup on a une chute d'environ, je crois, 5-6 cm. Je vise le centre de la cible, on est déjà en bas. Après, évidemment, on n'a pas la même vélocité. Parce que les autres, elles sont en combien, 700 1000 FPS au moins. Bah, c'est pas marqué. Si, 1000. On a 1017 FPS, celle-ci est à 700. Donc je crois qu'elles sortent 130 joules, il me semble, les TAC 22, et celle-ci, elles sont à 60. Donc ça se ressent sur la distance. On va quand même se tester, parce que ça m'intrigue, et ça peut intéresser certains. Attends. Les CCI quiètes sans modérateur de son. À mon avis, ça va faire le même bruit qu'avec, j'espère. Je pense pas que ça fasse plus. On reset, on remet au même endroit que tout à l'heure. Il n'y a que vous que j'ai bougé la caméra. On start. C'est parti. À l'oreille, ça fait plus de bruit quand même. Donc non, ça fait quand même du bruit. J'ai envie de le recommencer parce que j'y crois pas trop, le 56, moi. Allez, une dernière. Après, j'arrête, je vais me les garder. Merde. Alors, le sonomètre m'avait dit combien? Donc 56 décibels, mais à l'oreille, c'est vraiment, ça claque plus fort. C'est pas le même bruit, on va dire. Donc les CCI, quand même, sans modérateur de son, c'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Hein. Je vais de suite remettre mon petit modérateur parce qu'au moins on peut faire du tir peinard sans faire chier tout le monde. Et je le vise pas devant la caméra, c'est interdit. Ouais, c'est YouTube. Voilà, c'était tout déjà pour le premier petit test de ces petites balles que j'ai reçues. Donc voilà, merci Baptiste pour la rapidité comme d'habitude. Rien à dire. Allez, ben, on se revoit je pense sur une autre vidéo pour simplement le test de précision. Hein. Je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, ce sera le plus simple. Allez, salut les mecs.